with the statue of a 17th century slave trader pulled down in Bristol. The monument to Edward Colston. Push to remove Confederate monuments, gaining momentum by the day, as well as a lot more criticism. De larges traces rouges sur les statues de Victor Schœlcher et de l'esclave libéré à Cayenne. As the protests over police racism and brutality rumbled across European cities, some activists targeted their own country's colonial history. In Belgium, demonstrators spray painted a statue of King Leopold II, whilst in the UK, a statue of 17th century slave trader. Dans ce troisième volet de notre série sur les statuts contestés, on va porter le regard sur les deux foyers initiaux du mouvement actuel, les Antilles et les États-Unis. Deux foyers, parce que d'un côté c'est évidemment la force prise par les manifestations de Black Lives Matter après la mort de George Floyd le 29 mai 2020 aux États-Unis, qui ont eu cet effet d'entraînement global sur les déboulonnages et décommémorations dont on a parlé. Mais aussi parce qu'une semaine plus tôt en Martinique, c'est le même acte qui visait les statuts de Victor Schœlcher. Des gestes iconoclastes qu'on replace aujourd'hui dans leur contexte. Archiviste paléographe, Dominique Taffin a dirigé pendant près de 20 ans les archives de la Martinique. Elle est aujourd'hui directrice de la toute récente Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Lorsque nous avons appris que les deux statues de Victor Schœlcher, érigées en Martinique, avaient été mises à bas, c'est vrai que ça a été une grande surprise, même si, bien sûr, je sais que, notamment aux États-Unis, depuis quelques années, il y a eu des revendications, des contestations et parfois des actions contre des statues de personnages liés à l'histoire de l'esclavage. Mais en l'occurrence, ce qui était surprenant, c'est que, effectivement, cette figure de Schœlcher n'est pas, disons, symétrique avec celle d'un général d'armée confédérée, voire même, hein, puisqu'à New York récemment, il y a eu alors là une action décidée par la mairie de déplacer une statue d'un médecin, donc un gynécologue très célèbre, dont on a découvert en fait comment il avait établi sa science donc, sur le corps de femmes noires, si je peux dire. Donc en fait, la situation de Schœlcher n'était pas symétrique à celle évidemment de personnages esclavagistes, pas symétrique à celle de, par exemple, d'Edward Colston, qui a été déboulonné quelques jours plus tard. Et puis ce qui a été surprenant aussi, c'est le fait qu'effectivement l'action sur les statuts de Schœlcher presque une semaine d'antériorité, donc sur la vague effectivement qui a commencé avec les manifestations de protestation contre le racisme et les violences policières qui ont commencé dans le monde entier après le meurtre de George Floyd. Donc voilà, du coup, on pourrait penser que c'est une action qui préfigure les autres. Enfin voilà, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a finalement un lien, ou voilà, est-ce qu'on part d'un tronc en quelque sorte commun, de cause commune, une partie de cause commune, et qu'on a finalement de branches d'action différentes vis-à-vis de ces statuts. Politiste, chargée de recherche au CNRS, martiniquaise, Cilliane Larcher revient elle aussi sur ce télescopage des temporalités sur le contexte précis du renversement des statuts de Schœlcher, lié à la fois à un moment commémoratif et au présent martiniquais. Pourquoi je ne parle pas d'anticipation ? Parce que je crois qu'il y a un contexte local martiniquais qui, lui, est un contexte de contestation de la présence des colons et donc des descendants des Blancs créoles sur le sol martiniquais à travers leur pouvoir économique et social, qui a rencontré donc la contestation de cette présence dans la vie économique et sociale martiniquaise avec un moment commémoratif spécifique à la Martinique, qui est le moment du 22 mai, de célébration de l'anniversaire d'une insurrection, celle des esclaves ayant précipité l'application du décret signé par Victor Schœlcher le 27 avril 1848. Et c'est dans ce contexte-là de commémoration qui existe chaque année en Martinique. Depuis que je suis gamine, j'ai connu... alors, ce n'était pas officiel pendant un certain temps, mais il se trouve que je ne suis pas assez vieille pour avoir connu la période non officielle. Mais le 22 mai est célébré régulièrement en Martinique depuis le début des années 1980, plutôt dans les milieux anticolonialistes et nationalistes, mais avec le temps... c'est devenu un moment, on va dire, assez consensuel de la vie culturelle, je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'événements festifs, et de la vie politique et sociale martiniquaise. Et donc, les statues sont déboulonnées par des militantes et des militants, parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes femmes, mais elles ne sont pas isolées. Elles sont liées à des collectifs qui sont engagés dans la critique
de la position hégémonique des blancs créoles appelés béquets dans l'économie, mais aussi dans des mouvements qui contestent, qui font une lecture, si vous voulez, qui font une généalogie du problème de l'impact écologique de l'usage du chlordécone dans les bananeraies martiniquaises. Et du coup, ce contexte-là a favorisé une relation faite par les militants entre passé post-abolitionniste et présent d'inégalités sociales et aussi de crises sanitaires et climatiques martiniquaises liées à crise écologique, on va dire, liées aux conséquences de l'usage du chlordécone. Et si vous voulez, je pense que ce type de mobilisation, si on doit faire un lien avec un contexte plus global, s'inscrit dans l'essor de tout un ensemble de contestations du passé colonial dans les Caraïbes et dans les anciens États coloniaux ayant connu l'esclavage autour de la question des réparations. C'est comme ça que je fais le lien entre un événement local et un contexte mondial qui, pour le coup, n'a pas vraiment anticipé la mort de George Floyd, mais s'inscrit dans des mobilisations globales anticoloniales. Le cas de Schœlcher mérite d'être creusé, parce qu'il est vraiment intéressant aussi pour les questions qu'il pose à notre profession d'historien, à notre rapport au passé. Quand j'ai appris le déboulonnage de ces statues le 22 mai, j'ai eu la réaction qu'ont eu beaucoup de gens, quand même pas Schœlcher, c'était un abolitionniste, c'est lui qui a fait voter l'abolition en 1848, etc. C'est vrai, ça donne la tentation parfois aux historiens, aux gens qui sont les professionnels du passé, de finalement dire au mouvement social qu'il est dans l'erreur, et de fait, il y a un certain nombre d'erreurs sur lesquelles on peut revenir. Mais plus on creuse la figure de Schœlcher et surtout ses usages, plus on comprend pourquoi, finalement, on est amené à s'en prendre à ce personnage, même si, en faisant ça, on ne fait pas de l'histoire, mais on montre qu'il y a une autre histoire, ou un besoin d'histoire, ou une demande d'histoire, et aussi d'enseignement et de clarification de l'histoire, qui peut se dévoiler à travers ses actes. Dominique Taffin. Ces monuments, ces statues, ces noms de rues, aujourd'hui, sont en quelque sorte redécouverts, mais avec de nouvelles lectures et certaines lectures, en fait, qui se font sur des bases souvent d'informations relativement tronquées ou réduites. Donc, il y a un vrai travail d'enseignement à faire, parce que voilà, la connaissance de l'histoire de l'esclavage, la connaissance de l'histoire de la colonisation, elle n'est pas partagée. Dans le cas de la Martinique, comme d'ailleurs sans doute de la Guadeloupe, même s'il y a un enseignement depuis 20 ans qui dit être adapté pour mieux prendre en compte les histoires spécifiques de ces territoires, qui sont bien évidemment marqués extrêmement fortement et directement par l'histoire de l'esclavage, visiblement il y a une méconnaissance assez importante. Si on part en fait des revendications du manifeste, à la fois vidéo et écrit, qui a été diffusé après la destruction des deux statues, bien évidemment on voit que Schœlcher, en fait, le personnage lui-même, en tant que personnage historique, son rôle historique est fortement contesté, mais sur des bases en fait qui ne sont pas toutes fausses, mais par contre qui sont très très largement incomplètes. Donc de dire que Schœlcher a été colonialiste, ce n'est pas faux. Bien évidemment, de nier le rôle de Schœlcher dans l'abolition de l'esclavage, là c'est problématique dans la mesure où ce rôle de Schœlcher a déjà été largement étudié, mais aussi réévalué, hein, par rapport évidemment à la question des luttes anti-esclavagistes qui ont été menées par les esclaves eux-mêmes dans ce qui étaient les colonies donc de l'époque. Et ça, c'est vrai qu'on se rend compte que en fait, ce travail qui a pourtant été fait il y a deux générations et de réévaluation, finalement, ne semble pas complètement approprié. Donc, il y a certainement un travail à faire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'historiens sur place, hein, qui se sont très très rapidement mobilisés en utilisant les médias, en utilisant les réseaux sociaux aussi pour du coup voilà redonner en fait de l'information. Et il ne s'agit pas de défendre Schœlcher bec et ongles avec tout ce qu'il charrie en quelque sorte aussi comme mémoire et comme utilisation, hein, puisque là aussi disons que voilà, parmi les premières déclarations qui ont été faites, notamment celle de l'écrivain Patrick Chamoiseau, qui dit voilà, c'est pas Schœlcher, c'est le schœlcherisme qui peut être effectivement visé et condamné avec tout ce qu'il a comme relent effectivement de colonialisme et de paternalisme. Pas Schœlcher, mais le schœlcherisme. Voilà quelque chose qui demande plus d'explications et de contextualisation, encore une fois, de la figure de Schœlcher au XIXe siècle et dans ses usages contemporains. Sylviane Larcher.
Victor Schœlcher apparaît dans la conscience des historiens comme étant l'acteur clé de l'abolition de l'esclavage en France. C'est un fait incontestable, il faut quand même y insister. Quand son engagement personnel est décisif dans la signature de l'acte de décret, on le sait, au moment de l'arrivée au pouvoir de la Seconde République. Cependant, la perception locale par la société antillaise et martiniquaise en l'occurrence est, je pense, aujourd'hui focalisée sur l'idée d'une surreprésentation d'une geste européenne dans un processus qui peut-être n'est pas compris non plus par l'opinion comme étant pleinement transatlantique, comme étant pleinement interactif, comme ne pouvant pas être séparé des luttes des esclaves et puis des dynamiques qui ont existé entre les abolitionnistes parisiens et les abolitionnistes d'origine antillaise faisant le va-et-vient entre la métropole et les colonies. Je pense à des figures comme celle de Cyril Bissette, mais aussi à tous les anciens libres de couleur autour de lui dans une revue qui s'appelle la Revue des colonies. Donc, il y a une vision de Schœlcher d'un côté qui est une vision scientifique qui fait consensus et puis une vision que je dirais plus populaire qui, elle, se sent dépossédée d'une part des acteurs dominés dans la manière d'écrire aussi l'histoire de l'abolition de l'esclavage aujourd'hui. Et puis, il y a une troisième réalité qui est moins connue. Et là, je crois aussi qu'il faut, peut-être même, je ne suis pas sûre que ça soit très clair, même ici dans l'Hexagone, il y a eu localement, en Martinique et en Guadeloupe, mais aussi à La Réunion et en Guyane, une célébration de Victor Schœlcher, alors appelée Schœlcherisme, mais entendons-nous bien, moi je n'ai jamais lu dans les archives de la période du 19e siècle ce mot de Schœlcherisme appliqué à la mythification de Victor Schœlcher. Je pense que c'est un terme qui est plutôt venu des historiens. Ce qu'on appelle Schœlcherisme, c'est la magnification du personnage au 19e, mais pour quelle raison? Cette exaltation du combat de l'homme passe, alors il faut bien comprendre, non seulement pour l'abolition, mais pas seulement pour l'abolition, pour l'égalité pleine et entière sur le plan institutionnel entre les vieilles colonies et l'Hexagone. Victor Schœlcher a été un relais des luttes des élites politiques martiniquaises, guadeloupéennes, réunionnaises et guyanaises pour ce que j'appelle la pleine égalité civique, c'est-à-dire pour l'application des lois métropolitaine à ces vieilles colonies dès l'abolition de l'esclavage. Cet enjeu d'une égalité institutionnelle, législative, intégrale, a été l'objet du combat de ces élites de 1848 jusqu'au milieu du XXe siècle. Et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Schœlcher relaie ses revendications à l'Assemblée, auprès de parlementaires métropolitains. Il appuie cette cause dite de l'assimilation politique. Et lui rendre hommage localement, c'est manifester dans l'espace public une lecture de la République, une lecture d'une République sociale et égalitariste, certes dans un empire, parce que Schœlcher adhérait au projet impérial. Il faut aussi comprendre que les élites antillaises du XIXe siècle sont pour la plupart nées dans un empire. Non seulement elles y sont nées, mais les sociétés antillaises elles-mêmes sont le produit du rapport colonial de la fin du XVIIe siècle. On n'est pas dans le cas de l'Afrique subsaharienne ou de l'Algérie. Donc, ça rend la question coloniale particulière dans ces territoires. Et donc, c'est la célébration de Schœlcher à travers ce qu'on a appelé le schœlcherisme et la manifestation d'une volonté de voir incarner l'aboutissement d'un combat. Et rendre hommage à Schœlcher localement, c'est rendre hommage à un geste passé, celui de 1848, mais aussi à un projet politique qui est d'une espèce, si vous voulez, de fusion, c'était le mot en plus utilisé par ces élites, entre une vision de la République aux colonies et une vision de la République dans la métropole, dans l'Hexagone, que Schœlcher incarne. Une contextualisation dense de Schœlcher qui est aussi à relier à des questions contemporaines dans l'espace martiniquais aujourd'hui sur les inégalités sociales, les inégalités économiques persistantes et que beaucoup relient à Schœlcher, à l'idée qu'il aurait fait indemniser les propriétaires d'esclaves, là aussi une réalité qui demande à être complexifiée. Cyliane Larcher.
Il faut dire deux choses. Premièrement, sur la question de l'indemnisation des planteurs. Schellcher n'est pas particulièrement favorable au sens moral, éthique, et je dirais même philosophique. Ça ne lui semble pas cohérent d'indemniser les planteurs dont il estime qu'ils sont clairement, ils ont bénéficié du crime de lèse-humanité, c'est sa formulation dans le rapport qu'il écrit en accompagnement de la loi du 27 avril. Cependant, et là, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup dit. D'une part, les Britanniques, dans leur manière de gérer la question de l'abolition de l'esclavage, ont très tôt admis que les planteurs devaient être dédommagés de la perte de leur capital étant les esclaves. La France qui suit, qui est à la traîne quand même dans cette espèce de rivalité avec les Anglais dans le combat abolitionniste, et très tôt, notamment à travers des personnes comme Tocqueville ou bien Benjamin Constant, qui sont des libéraux. Donc, on n'est pas du tout dans le positionnement politique d'un personnage comme Victor Schellcher, s'inspire de ce que font les Anglais et conçoivent que dans une réflexion sur le capitalisme et ses transformations, il est cohérent d'imaginer que des planteurs soient dédommagés, c'est le mot qu'il faut dire, de la perte de leur capital. Et donc, cette question, cette idée du dédommagement s'est imposée avant même la résolution de l'abolition en 1848. Autrement dit, elle fait consensus. On pourra toujours se demander pourquoi Schellcher ne s'y oppose pas vigoureusement alors qu'il s'est, par exemple, imposé l'octroi des droits électoraux aux anciens esclaves. Et lui, il a une position pragmatique qui consiste à dire que il faudrait, si on pense à une rétribution des planteurs, qu'on crée une espèce de fonds, en tout cas que les anciens esclaves puissent être dédommagés sous la forme de l'instauration du salariat. Et du coup, la question de l'organisation du dédommagement, ce qu'on va appeler l'indemnité, est reléguée au vote de l'Assemblée nationale. Ça n'est pas décidé au sein de la commission d'abolition de l'esclavage. Donc, on va dire qu'il y a une position, je dirais, qui relève d'une forme de réal politique de la part de Victor Schellcher sur cette question. Et en même temps, le même Schellcher considère que toute la période qui suit l'abolition révèle des inégalités entre les planteurs et les anciens esclaves. Cependant, c'est là où Schellcher, il faut l'inscrire dans les limites aussi de sa vision coloniale et impériale, c'est que les inégalités dont il a conscience entre les planteurs et les anciens esclaves, il pense qu'elles peuvent être résolues par une résolution proprement civique. C'est-à-dire que c'est par le droit commun, c'est par l'application du droit commun métropolitain à ces territoires, en accordant aux anciens esclaves le plein bénéfice des droits sociaux en cours de construction dans l'Hexagone pour les travailleurs et les métropolitains, que les anciens esclaves vont réellement accéder à vont voir leurs conditions s'améliorer et gagner en égalité vis-à-vis des anciens planteurs. C'est le raisonnement qu'il fait. Or, la question des structures coloniales qui mettent les anciens planteurs dans une position exorbitante vis-à-vis des anciens esclaves, ça, il ne le questionne pas du tout. Autrement dit, les planteurs restent des relais du bon commerce colonial, entre guillemets, que la France hexagonale devrait soutenir. Et c'est là où la critique contemporaine vient pointer des points aveugles de la période post-esclavagiste, parce qu'en fait, les structures sociales antillaises d'aujourd'hui sont assises sur les conséquences nées de la répartition du capital, on va dire les choses comme ça, entre anciens propriétaires d'esclaves et anciens esclaves. Des structures sociales restées inégalitaires même après l'abolition de l'esclavage, c'est aussi la situation du sud des États-Unis et donc l'arrière-plan de tous les monuments confédérés qui sont aujourd'hui contestés. Audrey Célestine, sociologue, maître de conférence à l'Université de Lille, qui a notamment étudié le mouvement Black Lives Matter, explique ce moment de la fin du 19e siècle où s'inscrivent dans la pierre ces inégalités sociales et raciales. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ces statues et l'ensemble de ces symboles ne sont pas des résultats directs de la fin de la guerre de sécession. Ce sont des symboles qui sont érigés dans les décennies
qui suivent. D'abord les statuts dans les 2-3 décennies qui vont suivre la fin de la guerre de sécession. Les drapeaux, c'est encore plus tardif puisque ça se développe vraiment à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et tout cela est effectivement à rattacher à la volonté par les forces politiques en présence dans le Sud d'affirmer un certain nombre de choses, d'affirmer aux Noirs américains qu'ils n'auront pas accès aux droits civiques, d'affirmer une forme de suprématie blanche, d'affirmer le mécontentement après la Seconde Guerre mondiale face au mouvement pour les droits civiques, ce qui fait que dans le mouvement Black Lives Matter, ce qui est quand même assez caractéristique, c'est l'analyse d'emblée très, très systémique du racisme, c'est de l'inscrire dans une perspective historique très longue, de montrer que les violences policières d'aujourd'hui ne sont qu'une partie de violences systématiques contre les populations noires américaines, et du coup de s'attacher et de s'attaquer au symbole justement de l'affirmation d'une suprématie blanche, d'une affirmation de la domination des Noirs telle qu'elle est apparue dans les années 10, dans les années 20, au sommet de la violence raciale, ou dans les années 50 et 60, au moment où il y avait de fortes résistances à l'obtention pour les Noirs américains de leurs droits pourtant théoriquement gagnés à la fin de la guerre de sécession, fait sens. Et je pense que c'est dans cette histoire-là qu'il faut le réinscrire, et que ces personnages-là c'est dans cette perspective que ces personnages-là sont attaqués aujourd'hui, parce que on décode, en tout cas les militants décodent tout à fait leur signification. Il ne s'agit pas juste de rappeler une histoire commune douloureuse, il s'agit pour le Sud, en dépit de la défaite militaire, d'affirmer que on ne laissera pas la population noire accéder à l'égalité pleine et entière. Michaël Roy, maître de conférence en études américaines à l'Université Paris-Nanterre, explique de quelle façon ces monuments traduisent l'idéologie de la cause perdue, c'est-à-dire celle qui s'élabore au Sud après la défaite de 1865, après la reconstruction qui se termine en 1877, pour glorifier le passé esclavagiste de la région. C'est tout l'enjeu, tout le but de ces monuments, c'est d'inscrire dans l'espace public la cause perdue, c'est alors que justement la reconstruction a bouleversé un ordre racial entièrement basé sur la suprématie blanche, il faut le réinstaurer. Alors ça se fait de manière concrète par la ségrégation, par la privation du droit de vote, mais ça se fait aussi sur le plan symbolique avec, entre 1890 et les années 1920, la mise en place partout dans le Sud par des groupes privés essentiellement, des groupes tels que les Daughters, je me souviens plus exactement, des groupes tels que les United Daughters of Confederacy, qui financent elles aussi en l'occurrence, ces monuments qui sont là pour remettre les Africains américains à leur place d'une certaine manière, pour reprendre les termes qui auraient pu être utilisés à l'époque, et pour ancrer dans l'espace public cette idée d'une suprématie blanche, pour remettre en cause finalement l'idée que les sudistes ont perdu la guerre. On va recréer de très nombreux statuts. Cela fait longtemps que certains de ces monuments sont contestés. On a parlé dans l'émission d'hier de la statue de Calhoun en Caroline du Sud, que les autorités ont fini par ériger sur un immense piédestal dans les années 1890 pour empêcher ses dégradations. Un cap important a été franchi en 2017 à Charlottesville, en Virginie. L'état clé de la Confédération durant la guerre civile, c'est là que se trouvait la capitale Richmond. En août 2017, la municipalité de la ville a décidé d'enlever la statue de Robert E. Lee, le général en chef sudiste. Lee, c'est le symbole par excellence du chef militaire prétendument honorable. Un peu l'équivalent pour les sudistes de Rommel pour les nazis dans la série Séparer l'homme du général et surtout de l'idéologie du régime. C'est l'une des figures clés de la mémoire sudiste. Cette statue d'ailleurs se trouvait dans un parc qui s'appelait Lee Park jusqu'en 2009 et qui avait été renommé Emancipation Park, le parc de l'émancipation, signe encore une fois des lentes évolutions autour de cette question. Et à cette occasion, en 2017, le rassemblement d'extrême droite avec des néo-nazis a montré que ces statues restaient bien des lieux de ralliement des suprémacistes blancs. Audrey Célestine l'explique du point de vue de Black Lives Matter. En 2017, à un moment qui était très très délicat pour le mouvement, puisqu'il s'agissait de se battre contre des statues et contre le mouvement de suprématie blanche dans le sud des États-Unis, à un moment où le nouveau président des États-Unis
présenter le mouvement Black Lives Matter comme un mouvement terroriste, anti-policier, qui divisait la nation, et qu'aux manifestations Black Lives Matter se sont opposées des manifestations de groupes suprémacistes blancs, néo-nazis, présentés par le président des États-Unis comme finalement relativement légitimes à manifester eux aussi contre Black Lives Matter, comme s'il y avait une forme d'équivalence entre les deux. Cette idée que finalement chacun défend de manière plus ou moins légitime, ce sont deux facettes d'un même enjeu, alors que d'un côté on avait des gens qui faisaient une mobilisation antiraciste dans laquelle on avait à la fois des Africains-Américains et des Blancs, et d'ailleurs une jeune manifestante blanche a été tuée d'un côté, et puis de l'autre des personnes qui étaient parfois explicitement des néo-nazis. La présence des monuments confédérés dans le sud, mais également des drapeaux confédérés, également des noms donnés à des villes, donnés à des lieux, donnés à des bases militaires, 10 bases militaires américaines qui portent le nom d'anciens généraux confédérés, alors que certains évidemment les jugent plutôt comme des traîtres pour s'être rebellés contre l'Union durant la guerre, tout cela semblait très compliqué à remettre en cause, et c'est d'autant plus frappant de voir le mouvement actuel obtenir des succès très significatifs dans l'espace public en quelques semaines, là où des années durant, les efforts en ce sens se sont heurtés à des refus. On vient d'apprendre le 19 juillet que démocrates et républicains s'entendaient pour faire voter un texte au Congrès qui renomme les 10 bases militaires en question. Des résultats qu'il n'aurait pas été possible d'obtenir sans ce mouvement social. Audrey Célestine. L'ampleur des manifestations fait qu'il y a quand même on voit un soutien populaire important à ce mouvement et à tout ce qu'il entraîne. Dans un certain nombre de municipalités, ce sont les institutions elles-mêmes, les institutions municipales elles-mêmes qui ont pris les devants et qui ont mis en avant le fait que tel ou tel statut serait enlevé. Il n'y a pas seulement des gens qui les font tomber. Et ça, je pense que c'est un mouvement qui est soutenu par précisément la taille des manifestations et des protestations, ce qui fait que globalement les résistances, notamment le fait que la police intervienne relativement peu depuis le départ, est à mon avis lié au fait que il y a un soutien populaire qui s'est quand même manifesté de manière très très large, et ce mouvement populaire là peut expliquer que la rapidité des choses dans le dernier mois. Si la clé, à la fois du point de vue des discriminations raciales, de l'histoire de l'esclavage, de la guerre civile, et donc des contestations de statues qui le mémorialisent, se trouve dans le sud des États-Unis, ça ne s'arrête pas là, puisqu'en réalité, toute l'histoire américaine est en ce moment en train d'être revisitée, d'être réinterrogée à nouveau frais, en particulier celle de ceux qu'on appelle les pères fondateurs. On sait aujourd'hui que Washington, Jefferson possédaient des esclaves, et on a entendu des voix de plus en plus nombreuses pour remettre en cause leur présence dans l'espace public, un petit peu à la façon dont Churchill, d'un côté héros évidemment emblématique britanniques, de l'autre côté ayant des opinions et des actions racistes et impérialistes, fait l'objet de questionnements en Grande-Bretagne. Washington, Jefferson ne sont pas indemnes de ces questionnements. On a eu d'ailleurs une historienne américaine, Marlene Dote, qui a écrit une lettre au président Macron pour lui demander d'enlever la statue de Jefferson qui se trouve à Paris. Peut-être aurait-il fallu l'adresser à la maire de Paris, mais c'est le signe que ce mouvement de contestation ne s'arrête pas à la question de la guerre civile. Audrey Célestine. En fait, ça s'inscrit dans une dynamique déjà historiographique un peu plus ancienne, qui est de mettre au jour le fait qu'une grande partie des pères fondateurs pouvaient eux-mêmes être des propriétaires d'esclaves, pouvaient avoir défendu l'institution esclavagiste, et sont des personnages beaucoup moins glorieux qu'on le pense au niveau du, enfin qu'on le présente dans un grand récit national. Donc il y a déjà ce mouvement historiographique important à l'intérieur du mouvement Black Lives Matter, dont les leaders sont souvent des personnes qui ont fait des études longues. Il y a cette mise en avant d'une histoire américaine qui n'est pas une espèce de lente progression vers plus de progrès, plus d'égalité, mais une histoire extrêmement accidentée et marquée par la violence raciale, y compris après la guerre de sécession, y compris après la fin de la ségrégation, y compris avec la présidence d'une personne se présentant comme noir américain, Barack Obama. Ce qui fait que ces éléments-là, le fait de dénoncer l'idée que Thomas Jefferson avait une maîtresse, mais en montrant que quand on a une esclave et qu'on a des enfants avec, généralement, il ne s'agit pas
juste d'une histoire d'amour, le fait de présenter le fait que des pères fondateurs avaient eux-mêmes été propriétaires de plantations, va dans le même sens d'une espèce de dévoilement de l'histoire des États-Unis telle qu'elle s'est développée. Je pense qu'un certain nombre de personnes sont assez sensible à cette histoire-là, ce qui pour moi explique le fait que dans toutes les images qu'on peut voir de déboulonnement, de statues, de protestations contre des symboles, on n'a pas uniquement des Africains-Américains, on n'a pas uniquement des militants, mais des personnes qui ont été marquées par ces transformations dans l'appréhension de l'histoire telle qu'elle est portée par le mouvement. Une appréhension transformée de l'histoire qui va jusqu'à remettre en cause ou questionner des monuments, y compris de personnages vus comme libérateurs ou émancipateurs, un peu à la façon de Schœlcher en Martinique. C'est le président Lincoln, celui-là même qui a signé la proclamation d'émancipation annonçant la fin de l'esclavage dès 1863, dont le monument, érigé en 1876, fait aujourd'hui l'objet de contestations complexes. Michael Roy nous l'explique. Donc le Freedmen's Memorial ou Emancipation Monument, qui est à Washington, hein, qui a été construit en 1876, et qui fait débat pour ce qu'il représente. Alors, il faut un peu le décrire peut-être. C'est un monument avec deux figures sur un piédestal d'environ 3 mètres de hauteur. Lincoln, en figure de grand émancipateur, selon la formule consacrée, debout, digne, une main posée sur la proclamation d'émancipation de 1863, l'autre main tendue, comme s'il donnait la liberté à l'esclave qui est agenouillé devant lui. C'est la seconde figure. Et à la base du monument, on lit... Emancipation. C'est une représentation qui est contestée, problématique, pour différentes raisons. On peut en donner deux. D'abord, il suffit de voir le monument pour se rendre compte à quel point cette représentation est teintée de paternalisme, de condescendance, de racisme, même dans la hiérarchie qu'elle établit visuellement, entre d'une part le président blanc qui est dressé et dominant et d'autre part l'esclave noir qui est agenouillé et presque prosterné au pied de Lincoln. L'esclave qui est ici une sorte d'animal, presque animalisé par sa position près du sol et par le fait qu'il est à demi nu. Et par ailleurs, c'est une représentation qui est contestée parce qu'elle simplifie à l'extrême le processus d'émancipation qui est ici réduit à l'action d'un seul homme, le président Lincoln, qui fait don de la liberté à l'esclave, ce qui a pour effet de gommer complètement le rôle de l'esclave lui-même dans sa propre émancipation. C'est une représentation qui prive l'esclave de toute agentivité, pour utiliser un mot des sciences sociales, c'est-à-dire de toute capacité de résistance, de toute capacité d'agir, alors même que les actes de résistance des esclaves sont au fondement des luttes pour l'abolition. Et c'est une représentation qui a eu des effets sur le long terme, hein, puisqu'on retrouve finalement cette représentation de Lincoln en sauveur blanc, en white savior, dans la culture populaire jusqu'au XXe siècle, jusqu'au XXIe siècle. La représentation du Freedmen's Monument, on la retrouve dans le film de Spielberg, par exemple, sur Lincoln, qui est tout entier centré sur la personne de Lincoln et qui marginalise les esclaves et les noirs dans les luttes pour l'abolition. En écoutant sa description, on se dit ça fait partie de ces monuments qui peut-être n'ont plus tout à fait leur place dans le même espace public ou doivent être contextualisés ou éventuellement enlevés ou placés ailleurs. Et pourtant, l'histoire même du monument, de ceux qui l'ont fait ériger, rend le débat un petit peu plus compliqué. David Blight, qui est donc un éminent historien du 19e siècle américain, qui a demandé c'était dans un éditorial pour le Washington Post, que la statue soit conservée. Alors, son argument principal, c'est certes, la représentation est problématique, mais ce projet de monument a été entièrement financé par des Africains américains, pour la plupart des anciens esclaves, ceux qu'on appelle à l'époque les freedmen, donc les anciens esclaves émancipés en 1865, qui ont réuni la somme nécessaire, $20,000, à la construction du monument. Et dans son éditorial, Blight rappelle aussi que le 14 avril 1876, qui est le jour de l'inauguration, est un jour de fête dans la communauté noire de la ville. Les leaders de cette communauté sont présents, et notamment le leader le plus connu de tous, Frederick Douglass, qui donne à cette occasion l'un de ses discours les plus célèbres pour parler de Lincoln, de l'émancipation et de la statue elle-même dans une certaine mesure. On a aussi une jeune poétesse noire qui est là, Cordelia Rae, qui récite un poème intitulé Lincoln, etc. Donc c'est un monument pour Blight qui est porteur d'une portion, d'une part d'histoire afro-américaine qu'il faudrait préserver.
Alors, certes, mais les choses sont en fait un peu plus compliquées. Oui, les esclaves émancipés sont à l'origine du monument et le financent, absolument. C'est une femme noire, Charlotte Scott, qui lance l'idée en disant qu'elle donnera $5 pour la réalisation d'un monument en l'honneur du président. Par contre, et ça a été dit dans les réponses à Blight, les Africains-Américains sont complètement évacués du processus de création. Hein. Ils sont évacués par l'organisation blanche qui, en fait, prend en main le projet de monument, voire se l'accapare complètement. C'est une commission qui prend en main le projet, qui s'appelle la Western Sanitary Commission, qui est une organisation de secours aux réfugiés noirs et aux blessés pendant la guerre de sécession. Et à aucun moment, cette Western Sanitary Commission ne propose aux contributeurs, aux contributrices, de participer à l'élaboration du monument. En fait, la communauté africaine-américaine est comme dépossédée, d'une certaine manière, de ce monument. Par ailleurs, il y a bel et bien des critiques émises à l'égard du monument par des Africains-Américains à l'époque, lorsqu'il est inauguré. Douglas, lui-même, dit qu'il aurait préféré que l'esclave soit représenté dans une attitude plus digne et plus combative. Alors, il le dit dans son discours sous forme d'une petite remarque qui n'a pas été enregistrée, qui n'apparaît pas dans la version imprimée du discours, mais il le dit de manière tout à fait publique dans la presse quelques jours plus tard. On a retrouvé un extrait du National Republican, le journal de Washington, dans lequel Douglas ne laisse aucune ambiguïté sur ses sentiments. Il dit qu'il veut voir, avant sa mort, un monument qui représente le noir debout, dressé comme un homme, hein, et pas comme un animal à quatre pattes. Donc, de fait, il y a des raisons d'être critique envers ce monument. Et l'historien qui a le plus travaillé là-dessus, qui s'appelle Kirk Savage, lui dresse un constat absolument sans appel. Pour lui, ce monument, non seulement ne parvient pas à représenter le nouvel ordre racial et social issu de la guerre de sécession et de la reconstruction, un ordre social et racial où noir et blanc seraient sur un pied d'égalité, mais au contraire, ce monument recrée, en fait, paradoxalement, hein, l'ancienne structure raciale et les relations de pouvoir qui prévalaient dans le système esclavagiste. Et là, Kirk Savage a cette phrase très forte, il dit que ce monument n'est pas vraiment sur l'émancipation, mais en fait, il parle plutôt d'autre chose. Il parle de domination, et ce serait donc un monument qui représente le contraire de ce qu'il essaie de représenter. Et il n'est pas anodin que ce monument soit dévoilé en 1876, hein, la date est importante, 76, c'est ce moment de bascule entre un moment d'espoir pour les Africains-Américains, le moment de la reconstruction, où on pense que peut-être une nouvelle démocratie interraciale est en train d'émerger. Les Noirs ont de nouveaux droits civiques et politiques, hein, grâce aux 13e, 14e et 15e amendements qui les émancipent, qui leur donnent la citoyenneté, qui leur donnent le droit de vote pour les hommes. Donc, moment de bascule entre cette période-là et la période qui va suivre, qui est une période qu'on appelle parfois le nadir, le point le plus bas de l'histoire africaine-américaine, où les Noirs vont être peu à peu dépossédés par les États du Sud au niveau local de tous les droits civiques et politiques qu'on vient de leur accorder. C'est la période qu'on appelle parfois aussi Jim Crow, avec la mise en place de la ségrégation, la privation du droit de vote, les violences physiques et symboliques de toutes sortes. Et d'une certaine manière, ce que dit Kirk Savage, c'est que ce monument participe de cette bascule vers à nouveau un ordre basé sur la suprématie blanche. On mesure toute l'épaisseur historique de cette question liée à l'esclavage, à l'émancipation, à la ségrégation et au combat pour l'égalité raciale du 19e siècle à 2020. Ce n'est pas pour autant le seul enjeu de la contestation des statues sur le sol américain. Il y a également des statues de missionnaires, des statues de Christophe Colomb, des statues espagnoles qui sont remises en cause. Des éléments analysés avec Emmanuel Pérez-Tisserand, historienne à l'Université de Toulouse de Jean Jaurès. On a vu d'autres statues se faire soit déboulonner, soit plutôt, ce qui vient avant, être l'objet, la cible de contestation, parfois des marques de peinture, parfois des inscriptions. On pense, une de celles qui a été le plus visée au-delà de Christophe Colomb, c'est le missionnaire franciscain Junipero Serra, qui a été
chef et le meneur de la fondation de mission franciscaine pour convertir différents groupes autochtones en Californie. C'était à partir de 1769. Et donc, c'est lui qui a fondé la mission de San Francisco, la mission de San Diego, etc., qu'on voit toujours à l'heure actuelle. Alors, c'est quelqu'un qui a longtemps été vu comme un pionnier, en fait, celui qui a permis la colonisation de la Californie. Et il a même été canonisé par l'Église catholique en 2015. Aujourd'hui, c'est justement le fait qu'il ait été l'un des acteurs principaux de la colonisation espagnole, puisqu'il était espagnol et il était là pour la colonisation espagnole de la Californie, et aussi le fait que dans les missions franciscaines où on convertissait les Amérindiens, en fait, avait lui aussi des mauvais traitements, des châtiments corporels, etc. Et donc, on considère qu'il représente non seulement la conversion catholique, mais aussi le système de travail forcé, de conversion forcée, et aussi l'apport de maladies, et donc la destruction des sociétés indigènes en Californie. Et donc, il est vu bien différemment par notamment les groupes de défense des droits amérindiens en Californie que par l'Église catholique ou par ceux qui considèrent la période espagnole de la Californie comme une période glorieuse et fondatrice pour cet État. Pour prolonger cette question, j'ai demandé à Emmanuel Pérez-Tisserand dans quelle mesure d'autres groupes que les Africains-Américains, les militants et les militantes de Black Lives Matter s'impliquaient sur ces questions mémorielles. Alors tout à fait, et en fait d'ailleurs ça a une histoire aussi, puisque en fait il y avait beaucoup de liens et de communication entre les mouvements du mouvement pour les droits civiques, puis le mouvement aussi Red Power, ou les mouvements des droits civiques amérindiens, et aussi le mouvement Chicano, donc de mouvement pour les droits des Mexicains américains. Donc il y avait déjà des connexions, et donc on voit ici rejouer ces connexions pour faire une place, disons, à l'histoire de chacun des groupes, et aussi des rapports de force et de domination entre la construction nationale états-unienne et puis ceux qui ont dû être intégrés. Effectivement, il y a donc l'histoire de El Alamo, qui en fait était une ancienne mission à San Antonio, Texas, mais qui a été le lieu, qui était un arsenal ensuite, qui a été le lieu d'une bataille, qui a d'ailleurs vu la défaite héroïque des forces texanes soutenues par les États-Unis. Et aujourd'hui, elle fait l'objet, enfin, cet endroit qui est un musée, fait l'objet de, quand on le visite, d'explications un petit peu concurrentes, puisque c'est un lieu de mémoire où les États-Unis avaient coutume d'aller pour admirer le courage de ces Texans qui avaient défendu leur liberté. Et donc, c'était tout un symbole de la liberté états-unienne. Et aujourd'hui, on montre aussi que, en fait, la guerre du Texas, c'était une guerre de conquête des États-Unis sur un territoire qui était considéré dans le système international comme mexicain, et qui, en fait, était aussi largement sous souveraineté amérindienne, en particulier Comanche. Africains-américains, mais aussi amérindiens, mais aussi hispaniques, on voit que les enjeux mémoriels autour des statues et des monuments aux États-Unis ne relèvent pas seulement de la mémoire de l'esclavage et de Black Lives Matter. Cela se vérifie quand on regarde ce qui se passe autour des statues de Christophe Colomb. Une discussion enregistrée le 1er juillet 2020, au lendemain du jour où la ville de Columbus dans l'Ohio a retiré la statue de Christophe Colomb, qui lui donne pourtant son nom. En fait, avec Christophe Colomb, qui est un peu le symbole de la découverte du Nouveau Monde. Alors maintenant, les historiens n'utilisent pas forcément trop ce terme de découverte, mais enfin, dans l'imaginaire commun, c'est lui qui a découvert l'Amérique et qui est donc initié, en fait, le lointain ancêtre de toutes les nouvelles nations coloniales puis indépendantes en Amérique, et qui avait été choisi, enfin, l'un des emblèmes, c'est le Columbia, avait été un surnom de l'allégorie des États-Unis. On sait aussi que c'est un nom qui a été choisi donc pour la ville de Columbus et pour d'autres endroits. Et donc, effectivement, c'est enlever cette statue, c'est remettre en cause la centralité de ce personnage et de repenser autrement le rapport des États-Unis au Nouveau Monde, l'idée de Nouveau Monde. Mais celle d'une autre histoire, celle de l'immigration européenne, que relèvent aussi ces symboles. La statue dans la ville de Columbus, celle qu'on a enlevée hier, était un cadeau en fait de la ville de Gênes. Et tout ça, ça a replacé dans le contexte en fait de cette large immigration qui est arrivée aux États-Unis, européenne, et beaucoup venue d'Europe du Sud, par exemple. Et donc, il y avait des communautés importantes italo-américaines
à partir de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et qui ont rencontré en fait une hostilité et des difficultés à s'intégrer, puisqu'elles étaient vues dans cette période de racialisation comme inférieures, incapables de s'intégrer par rapport à d'autres vagues migratoires. Et c'est vrai que, par exemple, Columbus Day, cette fête, elle a été poussée par les Italo-Américains pour montrer qu'en fait, ils avaient leur place dans l'héritage américain, que par le fil temporel qui est relié Christophe Colomb aux États-Unis, les Italiens américains avaient leur place dans le récit national américain. Et c'est un peu pareil pour Serra et les missions franciscaines, puisque et on le voit avec la canonisation de Junipero Serra en 2015, c'est aussi un moyen de réaffirmer que les hispanophones ont toute leur place dans l'histoire nationale états-unienne, puisque c'est eux qui, on parle des pionniers, la conquête de l'Ouest, etc., mais la conquête à proprement parler, elle s'est faite par les Espagnols, puis par les Mexicains. Alors on parle très peu de la période mexicaine, ça aussi c'est un aspect intéressant, puisque c'est une valorisation de l'héritage européen. Et donc par exemple l'ambassade d'Espagne à Washington a eu des propos publics dernièrement suite aux attaques contre la statue de Serra, que c'était une de leurs priorités de défendre l'héritage espagnol aux États-Unis. Et donc, quand aussi le pape avait canonisé Serra, c'était aussi au moment d'un voyage qu'il avait fait à la frontière États-Unis-Mexique, et où il avait essayé de défendre la dignité des migrants mexicains hispanophones contre, à l'époque déjà, les campagnes xénophobes et racistes, notamment portées par les républicains et le candidat à l'époque, Donald Trump. Donc on voit que les statues ou les moments de commémoration de ces figures-là, elle représente un peu ce télescopage entre d'un côté l'histoire coloniale et l'histoire des États-Unis comme nation d'immigrants. Et donc c'est un peu cette tension qu'il s'agit pour les États-Unis de résoudre. Et on voit bien la confrontation entre comment ils peuvent éclairer, mais qu'après ce sont des choix qui sont du présent et qui doivent être l'objet d'une discussion quelque part entre citoyens. Le personnage de Christophe Colomb, sur lequel l'actuel Moyen-Âge a proposé des éclairages très pertinents que je vous recommande sur Twitter, vous trouverez la référence dans la liste de textes sur le site de l'émission paroledhistoire.fr. Christophe Colomb, donc génois au service des Espagnols, qui pensait aller en Asie, célébrer et contester dans les Amériques, rappelle la dimension transatlantique et même globale de cette histoire. C'est pourquoi demain, dans l'avant-dernier épisode de cette série, on fera un tour du monde des statues renversées, du Canada à l'Australie en passant par la Belgique ou le Groenland. Merci de nous avoir écoutés, merci à nos intervenantes et intervenants. Vous retrouvez toutes les indications concernant l'émission sur le site parolehistoire.fr. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et YouTube. Merci et à bientôt.